Ça va ce matin? Il est très tôt ce matin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise le corps et les sens pour se connecter à soi dans vivre le septième ciel? La réponse est simple, en fait, hein, c'est parce que le corps ne ment pas, contrairement à l'esprit. Lui, il reflète vraiment toujours la vérité, puis non ce qu'on voudrait qu'il soit. Fait que l'émotion, ça se loge dans le corps. On le sait, ça. Hein? Du moment qu'on vit une émotion qui est intense et que c'est trop fort pour nous pour l'instant, on n'a pas de facilité à le gérer, la première réaction, hein, on va projeter, on va rejeter. Et si on refuse cette émotion-là, elle va venir se loger dans le corps. Fait que c'est pour ça qu'on utilise le corps, qu'on utilise les sens. Parce que l'émotion se loge, les inconforts se logent, mais les plus intimes vont se loger justement au niveau de nos deux premiers chakras, c'est-à-dire au niveau du chakra racine et du chakra de la vie, qui sont au niveau des organes génitaux. Fait que le fait d'utiliser les sens aussi, ça va nous permettre de pouvoir déloger cette émotion-là, de la faire parler, et de la soulager. Puisque tout passe par l'expérience, ben, ça devient important de transformer l'expérience douloureuse en expérience savoureuse. D'où la reconnexion à soi, mais par le plaisir des sens. Le message, les souvenirs, les émotions qu'on a enregistrées par l'expérience, de nos sens, vont laisser des traces qui parfois sont douloureuses. Mais c'est précisément ça qu'on veut transformer avec l'aide de nos sens dans vivre le septième ciel. Si vous voulez apprendre comment faire pour transformer l'expérience, vivre le septième ciel, demain je vais répondre à la question « Pourquoi est-ce qu'on réagit fortement face à certaines situations ou même certains exercices? » En attendant, je vais vous inviter à aller visionner les vidéos que je mets en attachement en bas ici, soit la vidéo de présentation et le webinaire de Vivre le septième ciel pour avoir davantage d'informations sur le programme qui s'en vient très bientôt. D'ici là, ben moi, je vous dis merci, bye bye, gros bisous, je vous aime et à demain.